Est-ce que tout le monde peut éprouver du plaisir? Oui, tout le monde. Après, on n'a pas tous et toutes forcément accès à cette expérience de plaisir pour plein de raisons différentes. C'est pas parce qu'on ne peut pas ou qu'on est cassé, qu'il y a quelque chose de cassé en nous. C'est plus que l'expérience de plaisir va se vivre différemment selon l'éducation sexuelle qu'on a eue par rapport à ça, selon l'exploration corporelle qu'on a aussi vis-à-vis de ça, selon les relations avec qui on partage. Ça dépend de plein de facteurs. Et on peut se dire que finalement, bah oui, vraiment tout le monde peut accéder à ce plaisir-là, et même des personnes qui ont parfois des complexités ou des challenges supplémentaires, c'est-à-dire peut-être par exemple des personnes avec handicap ou des blessés médulaires, hein, et on peut se dire bah là, c'est impossible pour eux d'avoir du plaisir, et non, ils ont du plaisir, ils ont du plaisir sexuel, parce que bah, l'organe central, on va dire, du plaisir dans la sexualité, finalement, c'est quand même notre cerveau. Oui, Donc, c'est bien vraiment, ça, c'est de. notre allié. Ok, c'est un ensemble de choses qui nous donnent du C'est un plaisir. ensemble. Il y a ce qu'on ressent au niveau du corps et encore une fois, pas forcément qu'au niveau génital, vraiment tout le corps. Et ensuite, c'est ce qu'on associe aussi avec sa tête. Donc, il faut vraiment qu'il y ait cette connexion-là et on entend de plus en plus parler de pleine conscience, de pleine conscience en sexologie. Enfin, moi, c'est vraiment mon topo parce que vraiment, en fait, sans ça. Sans ça, on ne peut pas associer une expérience plaisante à quelque chose de plaisant, en fait.